3 décembre à approcher sérieusement. Et 3 décembre sont date importante pour le bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, ensemble avec associations et organisations qui ont lutté pour l'intégration des handicapés. Ça fait déjà plus passer 20 ans que les Nations Unies décrété 3 décembre comme journée internationale des personnes handicapées. Et journée ça est là pour permettre nous faire de réflexion sur situation mon handicapé et également mobiliser société a pour yo venir en appui à secteur qui a lutté pour intégration mon handicapé pour assurer que mon handicapé capable de jouir pleinement de droits en tant que citoyen à part entière. Donc année ça encore une fois nous prévoit célébrer grandement journée ça qui va marquer par différentes activités tant à Port-au-Prince que dans certaines villes de province. C'est pas un festival, c'est un festival de sensibilisation par l'art, n'a permettre que public là encore une fois touché par thématique et handicap là, permettre public là touché par cause mon handicapé, situation mon handicapé dans le pays. Festival ça la gagné participation ambassadeur cause mon handicapé qui c'est Bello Beken, gagné groupe G13 qui c'est un groupe aveugle qui chantait. N'a gagné également participation groupe Casino qui venu pour porter bourré pour faire festival ça une réussite. A gagné divers lot artistes handicapés tout cap performer qui très talentueux qui n'a permettre yo vinn montrer société en capacité yo talent yo potentiel yo. Festival là c'est surtout pour toucher un plus large public, toucher encore plus de monde et sous question moun handicapé yo. C'est porter sensibilisation plus loin. Chaque année nous fait activité yo la caille nous ou bien dans association yo. Mais année ça nous voulait aller dans la rue hein, porter message là, porter et sensibilisation hein, caille chaque monde, permettre tout citoyen, quelle que soit catégorie et yo, quelle que soit couche dans société hein, toucher vraiment par message que bureau secrétaire d'État fait passer depuis des années. Il est le temps pour moun handicapé yo jwenn place dans société hein. CBM c'est une organisation internationale qui travaille pour améliorer la qualité de vie moun handicapé autour du monde. Donc pour nous, nous sommes très contents pour nous participer avec le bureau du secrétaire d'État sous l'organisation festival ça pour 3 décembre parce que il rentre vraiment en ligne avec vision CBM qui c'est assurer que moun handicapé ka arrive potentiel tout potentiel yo. Et si nous connaissons thème pour 3 décembre ça année ça c'est un casser barrière ouvrir porte pour tout moun handicapé ka égal égaux. Donc pour nous, il rentre vraiment dans le travail qu'on a fait autour du monde et surtout en Haïti. Donc comme monsieur Lazard dit, nous sommes très contents de participer dans l'activité ça. Nous pensons comme organisation que le temps que tout le monde handicapé ou pas qu'arrive tout potentiel et que tout droit yo ka respecté. Donc nous sommes très contents et nous invitons nous participer dans le festival ça. En plus de festival dans place Boyer, nous avons l'autre activité nous que n'a fait pour les moun handicapé yo dans Kiskeya Christian School dans Delma. Donc c'est pour respecter droit les moun handicapé tout. Donc nous voulons faire tout le monde songer que l'on a parlé de moun handicapé, c'est grand moun ak ti moun et que tout droit yo c'est pour respecter tout et nous travaillons pile sur les moun handicapé dans le pays yon, donc n'a pas invité nous participer dans toutes deux célébrations yo qui a fait le 3 décembre. Nous même n'a travaillé pour cause mon handicapé yo. Nous gagne un centre réhabilitation et nous fait prothèse avec orthèse. Bientôt n'a bien service physiothérapie qui est disponible pour tout le monde qui vivent un handicap quelconque. Donc Jean Odia n'a demandé tout le monde faire déplacement, sensibiliser moun nan voisinage nous
pour tout connaître que tout le monde dans la société a un droit, même avec nous tous, pour nous égaler dans la société. Donc, le 3 décembre, tout le matin, à Brommès, dans le centre Saint-Vincent, que tout le monde connaît, pour dire bon Dieu merci, et que tout le monde qui est handicapé, qui n'est pas handicapé, fok droit, que au grand monde, que au petit monde, fok droit respecté.